Hello bueno, salut! C'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Paldea dans les versions écarlate et violet. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective. Il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu. Comme ça, peu importe la version que vous prendrez, vous n'aurez pas de problème pour construire cette équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez faire cette aventure tranquillement sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le Starter O. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est en description. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Patachio. Il évolue en Briochien au niveau 26. Il sera trouvable à la zone sud numéro 1. Il sera également trouvable dans les raids Terra Crystal une étoile. Dans ce cas, je vous conseille de le trouver avec le Terra type Sol afin d'atomiser ses faiblesses de son type Fée. De type Fée pur, il sera votre atout pour battre Brome et Nefli, les boss de la Team Star, respectivement de type Ténèbres et Combat. Il sera également efficace pour battre les dominants Lestombel ainsi que Nigirigon. À ça, le spécialiste dragon du Conseil 4 ne pourra pratiquement rien vous faire. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Magnéti. De type électrique et acier, il est trouvable en zone Est, numéro 2 et numéro 3. Magnéti évoluera en Magnéton au niveau 30, puis en Magnézone en utilisant une pierre foudre. Ça change des lieux notables avec un champ magnétique particulier pour le faire évoluer. Enfin, un peu de simplicité Game Freak. Doté du talent fermeté, ainsi que d'une bonne défense, votre Pokémon sera difficile à mettre au tapis. Il sera particulièrement efficace contre Kombu, le champion eau, ainsi que contre Grusha, le champion glace. Il ne vous sera particulièrement utile que contre Ortiga, pour l'objectif Stardust. Cependant, il sera très efficace contre les Pokémon dominants Kraparwa, Lestombel et Oyakata grâce à ses puissantes attaques électriques et acier. Il se débarrassera facilement des Pokémon vol de Okuba au Conseil 4. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Axolotl de Paldea. De type poison et sol, il est trouvable en zone sud numéro 1, 4 et 5. Il évolue en terrestre au niveau 20. Cette évolution alternative à notre petit Marest est très bon pour tanker les attaques spéciales et infliger des puissantes attaques physiques. Grâce à son talent Absorbo, vous aurez une immunité intéressante sur un type très présent dans le jeu. Votre terrestre vous facilitera l'obtention du badge électrique et eau. Il sera également idéal pour battre Meloco, la boss de type feu, Ortiga, le boss de type fée, et Erio, le boss de type poison de la Team Star. Mais aussi, vous facilitera le match contre la petite Poppy au Conseil 4. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Malos, trouvable à la zone sud numéro 1 et numéro 4. Il sera également trouvable dans les raids Terra Crystal 2 étoiles. Dans ce cas, je vous conseille de le trouver avec le Terra type Plante afin de couvrir ses faiblesses de son type Feu. Il évolue en Démolos au niveau 24. De type Feu et Ténèbres, il sera un excellent Pokémon support qui pourra battre l'arène Plante, Psy, Spectre et Glace très facilement. Il aura l'avantage contre le Pokémon dominant Fer de Terre. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Frigodo. De type Dragon et Glace, il est assez rare à trouver au Mont Napé. Il évolue en Cryodo au niveau 35, puis en Glevodo au niveau 54. Ce Godzilla de Wish est le Pokémon dragon badass de la génération. Il possède un excellent talent signature qui l'immunise à la brûlure et augmente son attaque s'il est touché par une attaque feu. Il vous sera très utile pour battre en grande partie la ligue ainsi que quelques Pokémon dominants. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao !